commençaient très nombreux à me demander c'est quoi ma routine d'été pour les cheveux. Donc là, j'ai crash testé une marque depuis plusieurs mois qui propose des produits pour accélérer la pousse des cheveux, pour protéger les cheveux des agressions extérieures, etc. Donc c'est parti pour la revue. Hello la team, j'espère que ça va, it's been a while, I know. J'ai fait une petite coiffure pour vous montrer à quel point mes cheveux ils ont poussé et vous parler un peu des produits que j'utilise actuellement. C'est parti. Si vous me connaissez bien, vous savez à quel point je kiffe tout ce qui est huile, tout ce qui est brosse aussi pour les cheveux, pour stimuler la pousse des cheveux. Roll-on, je crois que j'ai jamais pu parler de roll-on ici sur ma chaîne YouTube. On va parler de la marque Biologiste Mood, qui est une marque française qui propose des huiles qui sont disponibles en pharmacie. En pharmacie, et du 100% naturel. Il faut que je vous parle des produits que là j'utilise, je pense que vous allez voir, ça fait un moment. Là c'est quand même bien parti, là on part sur une gelée, vous avez vu la texture. Et ensuite il faut que je vous parle des huiles, il faut que je parle de ça, mon produit chouchou, je l'aime trop. Le premier produit qui est devant moi, qui est la Curae Oil, donc j'espère que ça va faire le focus. C'est un traitement pour les cheveux que moi j'aime énormément utiliser en bain d'huile, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur les pointes, pour les longueurs, en application quotidienne ou vraiment pour des soins profonds, comme je vous ai dit, en bain d'huile. Si vous me connaissez, if you know your girl Chris, vous savez à quel point les bains d'huile c'est l'étape incontournable une fois par semaine. L'autre huile de la marque qui est différente, celle-ci, c'est l'accélérateur oil. Donc celle-ci c'est l'huile qui vient accélérer la pousse des cheveux. Alors j'ai l'impression que ma caméra ne fait pas le focus, hein. On va pas s'entendre parce qu'en fait moi j'ai quand même envie de montrer. Et dedans t'as du nigel, t'as de l'aloe vera, t'as de l'argan, t'as de l'huile de ricin. Et donc cette huile là elle est à appliquer sur le cuir chevelu, ok. C'est vraiment l'huile qui va venir accélérer la pousse des cheveux. La pipette c'est la base. T'as le temps d'attendre ton cuir chevelu avant que ça se... avant que ça tombe sur ton outfit, avant que ça vienne, non. Pour un bain d'huile de qualité, ce que je vous recommanderais, c'est d'utiliser l'accélérateur oil, donc sur votre cuir chevelu, les baies bières, tout ça, et la Curae oil sur tout l'ensemble, le reste de vos cheveux, donc des longueurs jusqu'en pointe. Ok. Puis vient... quelque chose de... Non, franchement, j'aime beaucoup trop ça parce que le packaging, il est optimisé pour pouvoir l'emporter partout. Et moi, je suis une meuf, j'aime trop glisser des choses dans mon sac. C'est l'accélérateur Boost Plus. C'est de l'huile pour les cheveux sous forme de roll-on, comme ça. Donc, tu viens en mettre à n'importe quel moment. Et puis moi, j'abuse. À n'importe quel moment de la journée, tu viens en mettre comme ça. Et j'aime trop. À l'intérieur du roll-on, vous allez retrouver 9 actifs naturels spécialement ciblés pour la pousse des cheveux. Donc, l'ergonomie, franchement... à glisser n'importe où, même dans ta poche chérie. I don't wanna hear anything. Un des produits que j'aime trop aussi de la marque, c'est celle gelée. Je pense que vous allez voir au niveau de la texture comment c'est super liquide. Mais comment ça a un effet hydratant. Je sais pas comment expliquer, mais ça vient genre du coup redéfinir les boucles, leur apporter de la brillance, mais surtout de la douceur. C'est un truc de fou. Limite c'est quelque chose à utiliser en tant que, vous voyez les sprays du lendemain, day 2. Ben vous pouvez largement utiliser juste cette gelée là pour redonner un peu de... faire une petite mise en pli des cheveux et... that's all. Une odeur super douce de propre. Et comme je vous ai dit, les actifs sont de qualité. T'as du gel de lin, l'hydrolat de guimauve, la protéine de soie et du gel d'aloe vera. Donc voilà la texture, c'est très liquide. Donc en réalité je sais pas. Je sais même pas si vous avez vu. Est-ce que vous avez vu? Mais tu vois, moi j'en mets comme ça. Pour réhydrater mes cheveux. La gelée Hydra Plus justement de Biologiste, elle est actuellement en précommande la team parce qu'elle est clairement victime de son succès. On a ces deux brosses stimulantes, donc on a celle-ci, ok, elle est trop mignonne, mais regardez comment c'est trop chaud. Encore une fois, celle-ci je pense qu'elle peut se glisser dans un sac de type moyen. Moi j'aime trop l'utiliser sous la douche quand j'ai démêlé mes cheveux et que je veux vraiment venir du coup stimuler la circulation sanguine dans mon cuir chevelu. Je me suis toujours dit, mais est-ce que ce type de brosse ça ira sur mon type de cheveux, parce que bah j'ai jamais utilisé des brosses comme ça pour sur mes cheveux. Et au final ça marche très bien, il n'y a rien de... les picots sont super doux. Je sais pas si vous voyez, c'est des picots qui sont durs mais ils sont pas pointus. Ça va pas venir irriter le cuir chevelu, donc les personnes qui ont le cuir chevelu sensible, il n'y a aucun souci. On a cette brosse ici avec la fameuse ergonomie à tenir au niveau de la main, donc c'est trop bien pour l'utiliser aussi sous la douche. Vous pouvez l'utiliser sous la douche, vous pouvez l'utiliser quand vous sortez de la douche, vous pouvez l'utiliser quand vous faites vos bains d'huile. En gros, vraiment le délire, c'est vraiment d'optimiser tout ce qui est focus cuir chevelu. Donc pour le shampoing, c'est la base. Parce que des fois on a tendance à oublier certaines zones, d'accord. Parce que nous on est là, on met nos mains là, on met nos mains là. Mais girl,
tu oublies les côtés ou quoi? Non, ça au moins t'es sûr que tu vois, ça te fait du bien et puis en même temps ça vient bien nettoyer les saletés sur ton cuir chevelu. Ce que Biologie Smooth conseille, c'est d'utiliser cette brosse stimulante avec l'accélérateur Oyol ou alors l'accélérateur Boost Plus. Okay. D'ailleurs celui-ci, je tiens à préciser, c'est pas que pour les baby hair, faut pas hésiter à en mettre un peu partout sur vos cheveux, c'est juste le côté ergonomique. Ça veut pas dire que c'est juste pour les baby hair, ouais, parce que là j'ai utilisé que pour les baby hair parce que je suis coiffée, mais je peux l'utiliser comme tu veux. Chaque accessoire a son petit pochon en coton bio, ça c'est trop mignon. Franchement je trouve que c'est trop bien, en plus du coup tu peux l'accrocher comme ça dans ta salle de bain ou où tu veux d'ailleurs. Hop, ça c'est pour le brosse, tu vois. Trop mignon, franchement je sais pas ce que vous en pensez mais c'est trop cute. En plus je sais pas pourquoi je sens tout, je sais pas. Celle-ci c'est baie, une trousse en lin pour ranger toutes vos affaires dedans, c'est-à-dire que tout rentre hein. You trying me? Ok. Là le produit est ouvert, pour le fermer, un petit clic de l'autre côté, on met ça dans la petite trousse en lin, je mets l'accélérateur Oyol, ok, appliqué sur mon cuir chevelu, je mets la Curae Oyol pour les bains d'huile, je viens mettre mon accélérateur Boost Plus, mon roll-on chouchou boubou, j'aime trop. La brosse. La deuxième brosse. Là tu dois dire mais voilà, comment tout ça rentre dans la trousse en lin? C'est fait pour! C'est fait pour que tout rentre dedans! Stop looking at me! Voilà. Toute la routine rentre dedans. La qualité de la trousse, elle est incroyable. Bon voilà la type, vous me demandez souvent qu'est-ce que j'utilise et tout pour vraiment hydrater mes cheveux sur le long terme et au niveau des huiles aussi. Actuellement je suis sur Biologie Smooth, là j'étais en plein crash test, ça doit faire au moins 2-3 mois hein, que j'ai reçu les produits, voire même peut-être plus. Et donc j'avais vraiment besoin de ce temps pour me faire une idée de ok, voilà comment est-ce que j'utilise des produits, voilà qu'est-ce que ça rend au niveau du ressenti de mes cheveux, comment je les sens. Donc déjà je pense que vous avez remarqué que mes cheveux ont bien poussé. Voilà, et donc ouais, au niveau de... pour hydrater mes cheveux, pour les réhydrater, actuellement ce que j'utilise c'est vraiment le gel de lin, qui est gel de lin, gel d'aloe vera d'ailleurs. C'est une marque que je voyais trop souvent sur Instagram et je me suis dit à un moment donné j'ai envie de tester. En plus c'est des produits pousses, moi je suis une meuf très dans ça. Je sais pas si mon objectif dans la vie c'est d'avoir des cheveux extrêmement longs, mais en tout cas je suis énormément dans la santé de mes cheveux. Que vos cheveux soient secs, cassants, afro, lisses, ondulés, bouclés, il n'y a pas de type de cheveux particulier pour les soins, donc vraiment la team ne nous négligeons pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette vidéo revue à vie vous aura plu. Bah du coup see you for another new video. Non, les intros il faut que je les retravaille, je sais, mais je sais pas comment terminer mes vidéos à chaque fois.